Donc novembre 2024, horoscope des béliers. Alors merci, hein, les petits béliers sont revenus en octobre, j'étais très très contente, donc j'espère que vous serez nombreux aussi en novembre. Alors, il ne se passe rien, vous pouvez repartir. Non, je plaisante, ok, c'est un mois relativement calme. C'est-à-dire qu'il y a l'axe des nœuds de l'univers, hein, c'est-à-dire le nœud sud en balance avec Lilith en balance et le nœud nord en bélier et c'est tout. Donc c'est pour ça que je vous disais, c'est un mois relativement calme. Alors j'allais dire le problème, c'est que comme vous savez, vous êtes un signe qui s'accroche en fait aux événements, c'est-à-dire que vous êtes un signe trépidant, vous accrochez aux événements pour rebondir, savoir où vous en êtes, etc. Donc le mois qui est relativement calme dans lequel bah, tout va bien, mais il ne se passe pas grand-chose, ce n'est pas évident en fait pour vous. Donc vous vous demandez beaucoup à quoi vous accrochez, et comme vous vous demandez à quoi vous approchez, en toute logique, vous vous demandez à quoi bon la vie, pourquoi suis-je né, où va le destin de l'univers, et ainsi de suite. C'est-à-dire que vous posez des questions de fond sur votre identité, et ce n'est pas si évident que ça pour vous. Donc les difficultés en ce moment, ce sont des difficultés de l'ordre de l'identité, c'est-à-dire que vous revisitez un peu votre vie en vous disant mais qu'est-ce que j'ai accompli, qu'est-ce que j'ai pas accompli, quelles sont les chances que j'ai laissé passer, qu'est-ce que j'aurais pu faire, ah bah à 23 ans j'ai commencé ça, à 28 j'ai arrêté ça, pourquoi j'ai fait ça, etc. Alors c'est inutile parce qu'en fait vous êtes maintenant dans votre vie, donc s'il y a des chances qui sont encore des chances d'actualité ou des directions qui sont encore bonnes, bah, elles vont se représenter, donc pas de panique. Et si au contraire c'est bien des choses que vous avez eu mille fois raison de laisser en arrière, et eh bien ça va partir, et c'est très bien aussi. En fait, la vie, comme vous savez, c'est un renouvellement incessant, une impermanence, hein. On ne va pas faire le coup bouddhiste, mais ceci dit, c'est la vérité, c'est-à-dire que si on regarde bien, chaque journée, elle est complètement différente. Donc à partir de là, si vous voulez, cette remise en jeu constante est quelque chose d'extrêmement énergique, d'extrêmement positif. Donc c'est ça qu'il faut vous dire, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que les choses n'ont pas abouti comme à l'instant T, là, ce mois-ci, en novembre 24, vous vous dites que vous auriez voulu que ça fût, ou que ça soit d'une façon, aujourd'hui on est posé comme ça, donc regardez les embranchements réels, regardez ce que vous pouvez véritablement réaliser. Donc en fait, le retour sur vous, je comprends l'idée, mais en fait ça n'amène à rien, sinon un sentiment de lourdeur. Donc si vous pouvez éviter, voilà, et faire des choses plus utiles. Alors, ça fait des mois et des mois hein, que je vous dis, c'est légitime, mais inutile, en fait, de tourner les pages, de faire retour sur vous, de comparer les choses, etc., d'intérioriser les éventuelles critiques que vous pourriez recevoir des gens qui ne vous connaissent plus. Oubliez, en fait, il n'y a pas de critique, il n'y a pas de malentendu, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de difficulté. Il y a simplement, par contre, la nécessité d'avancer à l'état d'après, on le saura. Donc, l'idée là, c'est que en fonction de où vous êtes positionné, il faut trouver comment, j'allais dire, remettre en route cette volonté. Alors, j'ai un peu l'impression, et vous aussi certainement, que le temps se répète. C'est-à-dire que moi, après moi, je vous répète la même chose et que vous, vous vous sentez dans un état assez, j'allais dire, bloquant, pas très positif, etc. Alors, ne vous inquiétez pas, tout cela va vraiment finir à partir de l'arrivée de Neptune en bélier en avril prochain. Donc, à partir de là, si vous voulez, on repart sur une nouvelle phase de vie qui va être une phase qui va vous reconnecter avec vos rêves, reconnecter avec vos envies, reconnecter avec votre envie d'avancer, avec votre côté complètement foufou et votre envie de vous laisser aller dans aucun carcan, etc. C'est-à-dire que Neptune en poisson a tendance en fait à vous alourdir, à vous tirer vers le passé et à vous chercher des communautés ou des idéaux d'appartenance. Sauf que l'idéal, c'est vous en fait, c'est pas quelque chose qui est extérieur à vous, c'est vous et c'est bien suffisant comme ça. Alors, professionnellement, extérieurement, donc on l'a dit, hein, c'est un mois qui pulse aucune énergie en propre. Donc, soit vous êtes engagé dans une activité professionnelle, dans une vie, etc., et vous aurez la sensation, comme je dis joliment, que vous tirez des mules mortes sur le flanc qui tire la langue, c'est-à-dire que ça avance pas beaucoup, comme vous le savez, c'est un peu lourd. Donc, c'est un peu compliqué, effectivement, parce que vous avez l'impression d'un poids énorme et de choses qui ont énormément de mal à se mettre en route, mais en même temps, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'en fait, on est juste dans quelque chose où il y a des lenteurs, où les choses ne se font pas à la vitesse où on le voudrait, ou etc. Ce n'est pas très grave, en fait. C'est simplement le fait qu'il faut injecter beaucoup d'énergie tant qu'on n'a pas ce n'est plus une embellie. Bon, soit vous n'avez rien enclenché encore, par exemple professionnellement, et vous avez la sensation en fait que vous subissez un climat un peu pesant. Bon, dans tous les cas, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors,
En fait, focalisez votre énergie sur les buts que vous pouvez atteindre, même petits. C'est-à-dire que c'est très important, en fait, de, j'allais dire, de réaliser des choses, de tenir vos engagements par rapport à vous-même. Si votre engagement, c'est de ranger une pièce, si votre engagement, c'est de faire un footing, si votre engagement, c'est de faire des gâteaux pour la kermesse de l'école, mais juste vous y allez, vous ne vous posez pas de questions. C'est-à-dire qu'en en gros, vous avez besoin de focaliser votre énergie sur des buts et les réaliser. Voilà. Et arrêtez en fait de vous demander si ça vaut la peine au regard du déploiement de l'univers. En fait, là, le problème, c'est de vous remettre justement dans cette énergie-là et d'avancer. Voilà. Donc, confiance pour avril prochain, puisqu'il y a une autre étape de vie qui s'ouvre. L'idée, en fait, c'est que vous allez récupérer complètement vos rêves, c'est-à-dire que vous allez de nouveau vous sentir porté par un idéalisme intérieur. Et en même temps, ce qui est très sympathique, c'est que vous allez avoir l'impression de revenir, pour le coup, 10 ans avant, hein, avant Neptune qui est rentré en poisson à la louche, hein, évidemment. Moi, je me suis dit, oui, c'est un peu comme si vous aviez mis au frigo vos rêves et que vous les ressortez ou cryogénisez, vous voyez, c'est-à-dire que vous les ressortez, ils sont intacts. Un petit coup au micro-ondes et c'est bon. En fait, c'est prêt à dévorer. Donc, en même temps, c'est inutile d'anticiper puisqu'on n'y est pas encore. Donc, c'est pas la peine de vous dire oui, je le sens. Bah oui, vous le sentez certainement, ça, je le pense vraiment. Mais le problème, c'est que pour l'instant, vous n'avez pas l'énergie qui va avec. Donc, bon, il faut attendre un peu. Ce qui est important, comme je vous le dis, c'est de vous mobiliser sur ce qui est à votre portée. Alors, personnellement, vous portez avec vous beaucoup de lourdeur relationnelle. Comme si vous deviez rendre des comptes, c'est-à-dire que vous avez tout le temps l'impression qu'on vous critique, qu'on a un regard sur vous, et vous passez beaucoup de temps en fait à intégrer intérieurement, intérioriser toutes ces critiques, c'est-à-dire à vous déprécier, à vous justifier. C'est pas très utile. Hein. D'abord parce que oui, alors il y a toujours des gens qui vous critiquent, mais enfin c'est pourquoi se focaliser sur eux, c'est juste qu'ils s'ennuient et qu'il n'y a rien de bon à la télé. Donc vous y pensez pas et c'est tout. En fait, il faut par contre apprendre à vous affirmer, c'est-à-dire que si il y a des gens qui vous disent des choses, il faut vous affirmer, il faut vous défendre, il faut défendre vos convictions, il faut vous rappeler en fait aussi que vous avez des convictions, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose avec ce départ de Neptune de poisson qui s'amollit un petit peu en vous avec le nœud sud en balance, c'est-à-dire qu'il y a une trop grande douceur. C'est important en fait de vous dire mais attends, je suis comme ça, mais moi je suis pas comme ci, mais moi je veux ça, et voilà, c'est vraiment important. Donc repartez de vous, repartez de qui vous êtes, ça sera aussi plus simple pour savoir qui vous êtes si vous en repartez, voilà, et de ce que vous voulez vraiment. Et si vous savez pas vraiment ce que vous voulez, bah j'allais dire, focalisez-vous sur ce qu'il y a à faire sur la journée, ça ira déjà. Donc, la question, en tout cas, c'est que la majorité des problèmes que vous croyez relationnels viennent du fait, en fait, que vous ne vous aimez pas vous-même. On est vraiment dans du psychologique pur. En fait, quand il n'y a pas d'événement, il y a de la place pour du psychologique. Donc, l'idée, là, c'est nettoyer, enlever ce qui est psychologique pour se dire, OK, je me focalise, je reviens dans le faire, parce que c'est ça, en fait, qui sera complètement régénérateur pour vous. Alors, mon conseil, c'est de repartir de ce que vous aimez, de ce que vous voulez, et d'essayer d'arrêter de chercher en fait à vous ajuster sans cesse par rapport à vos états d'âme et ce que vous pensez de la réalité. Il y a de fortes chances qu'en fait vous pensiez des choses fausses parce que vous n'allez pas super bien. Donc c'est juste temporaire, mais il faut juste avancer. Donc affirmez-vous, retrouvez le fil. Dites-vous en fait que le monde n'attend que vous et que le fait que Neptune devienne à nouveau le fanion de défense des béliers et que, j'allais dire, tout aille vraiment pour le mieux.